première dame de Martine Moïse, pas de cas de jeune. Je dis, il était obligé de présenter une cérémonie pour un hommage à Marie Jovenel Moïse qui mourit dans les conditions que nous tous connaissons. Vous avez remarqué toute la sécurité, vous parlez de madame Yomay. Vous connaissez à quel niveau sécurité Martine Moïse est importante dans le moment ça. Michel Matéli, Sophia Matéli, Tonton Bichat, Laurent Lamotte, un paquet de monde est présent dans la cérémonie ça. Une cérémonie pour te montrer attachement, respect que vous avez gagné pour le personnage ça, qui c'est son excellence, président Jovenel Moïse, qui mourit criblé de balles, qui mourit crasé. De toute façon, Martine Moïse lui-même, dans le moment, qui n'a pas qu'à consoler, hey, bagala dure, l'heure qu'on est. Quelques jours de cela, Marie ou t'es ensemble avec ou dans tout événement. L'heure qu'on est, planification ou même avec Marie ou t'es fait. L'heure qu'on est, qui préparation ou même avec Marie ou t'es fait. Qui projet que t'es gagné pour demain, pour petit nous. Et l'heure, ouais, c'est ou même qui est obligé camper pour apporter Marie ou. Nous qu'à comprendre qui sa première dame n'a pas duré. Nous qu'à comprendre qui ça. Qui souffrance, comment douleur à l'idée pour madame Martine Moïse. Mais nous comprenons tout, comment tout le monde obligé présent et malgré la situation sécuritaire, là, nous tous connaissons comment lier dans le pays a, et ça tout contribue dans la mort de Jovenel Moïse parce que y a un pays qui a pile sécurité. Et président lui-même t'a besoin d'un pi bon système sécuritaire qui t'a empêché que président mourir dans condition ça parce que nous connaît très bien président bien avant il mourir il t'enterrer les à l'aide il t'enterrer les monde qui pouvait le sauver ça veut dire en pile négligence de fait qui cause président il mourir dans condition de mourir comment les haïtiens. Cicatrice ça a pas besoin d'effacer pour Martine Moïse. Cicatrice ça a pas besoin d'effacer pour Jovenel Moïse. Cicatrice ça a pas besoin d'effacer pour tout le monde qui te connaît collaborer avec président Jovenel Moïse et précisément Michel Matéli qui lui-même senti quelque part. Il y a une responsabilité parce que il était rentré Jovenel Moïse dans une bagaille peut-être président, il n'a pas même gain intention avant ça. Qui c'est politique. Peut-être, il t'a mouru parce que nous tous bien pour aller. Mais il peut-être t'a mouru dans condition ça. Mais de toute façon, malgré tout hommage, malgré toute activité qu'a fait dans nos président Jovenel Moïse, mais ça qui sûr et certain. Président, il mourit. Pour pays. En nous plongeant dans ces idées, yon jou avant, nous allons retrouver un gros événement que tu as fait. Côté un pile autorité, pas de kakebe de l'onéjé. Pile monde est présent. Pile représentant pays est présent. Pour te rendre un hommage à Jovenel Moïse qui mourit dans la condition. Et je dirais, juste avant de passer la parole pas t'imaginer. Pour la prière du jour. La plus grande réalisation nous suivre, du président de la République, Jovenel Moïse, dans moment, sa plus grande réalisation, c'est que le président Jovenel Moïse ne m'est pas là. Difficile de trouver une introduction à mes propos. Il m'a également été très difficile de trouver les mots justes pour rendre hommage à un patron, un collaborateur, un ami, un frère, Jovenel Moïse a été pour moi tout cela à la fois. Quand on s'est rencontré à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnu. Deux petites souhaites qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines, de Negandeyo, qui n'avaient aucun grain en eau, la caille aucun orfèvre, qui
qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur. Jovenel Moïse, l'homme d'affaires. Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne le regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ses actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ses décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour débarrasser l'État des griffes d'oligarques corrompus et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté et d'exclusion. Jovenel Moïse a été assassiné pour avoir voulu retourner au peuple le pouvoir qu'il lui avait confié par la voie des urnes. Jovenel Moïse a été tué pour avoir voulu des référendums qui établiraient un équilibre entre les trois pouvoirs de l'État et qui donneraient à la diaspora, à la jeunesse et à la femme de son pays la place qu'elle mérite dans la destinée d'Haïti. Il a été humilié, torturé, mutilé, désarticulé pour avoir osé défier le système. Une façon de dire à vous et à moi, à toutes celles et à tous ceux qui lui ressemblent, voilà ce qui vous attend si vous osez renouveler l'expérience. Gare à vous, maître gardien du système. Jovenel Moïse nous a déjà ouvert les yeux. Nous, peuple à nous, pantalon nous chirer, messieurs, dames. Derrière nous, dehors. Vous avez eu raison de sa force physique, mais pas de sa volonté, mais pas de ses idées, ni de sa vision, ni de son rêve pour ce peuple qui l'aimait tant. Jovenel Moïse habitera toujours nos vies, nos pensées, et nous dictera encore l'avenir. Jovenel Moïse a vécu toutes les facettes de la vie haïtienne. Il te connaît pays. En pile. Et c'est pour cela qu'il a donné jusqu'à son dernier souffle pour voir ce changement dont beaucoup parlent, mais pour lequel trop peu de gens s'investissent. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à pleurer son départ, son odieux assassinat. Mais hier, nous étions tout aussi nombreux à vouloir assassiner ses rêves, à détruire son nom et cette dignité qu'il a gardée jusque dans la mort, malgré toutes les tentatives d'ignominie. Quand du bureau étatique ou gouvernemental dans lequel il vous a placé, vous serviez vos intérêts personnels et claniques au détriment de ceux de la population, vous assassiniez Jovenel Moïse. Quand du haut de vos hôtels, vous complotiez, vous jetiez votre venin sur un homme à la vie morale aussi exemplaire que Jovenel Moïse, au lieu de parler de pardon, d'unité, d'amour et de paix, vous l'assassiniez. Quand derrière vos micros, vous faisiez appel à la haine et à la violence, vous contribuez à assassiner Jovenel Moïse. Quand avec votre stylo, vous vous serviez de la ruse et de la vertu, et de l'immoralité de votre intelligence pour promouvoir une culture de l'humanité et à l'endroit notamment de la famille présidentielle
notamment la première dame ici avec nous aujourd'hui. Haïti devra rester Haïti. Un pays qui sait dire non. Un peuple qui sait se plier et un peuple qui peut fort heureusement se ressaisir et étonner le monde entier.